Papa ? Ah, mais c'est ma toutou. J'ai failli oublier de vous annoncer la grande nouvelle. Anna et Thomas vont venir habiter à la maison. Quoi ? Le couple au même endroit, ça marche jamais. Je te rappelle que notre fille est à la rue. Non, mais ils sont gentils, mais c'est bon, là. Les miettes dans le Nutella, les fringues partout par terre, ça va, j'ai déjà donné, non ? Tu sais, les gosses, c'est comme des cafards. Il fait chaud, il y a à boire, il y a à bouffer, ils partent plus. Il faut que tu leur pourrisses la vie. Oh, c'est dégueu, ça. Mais non, ma chérie, ça, c'est ton café d'hier qui a séché, c'est rien. Sinon, tu l'aurais mis dans le lave-vaisselle. Tu les réveilles à pas d'heure. Maman, putain, mais qu'est-ce que tu fous, là ? Je fais 10 km à 10%, je te dis pas comme je m'en sors. Je suis sous la douche, je voulais pas faire installer un verrou. Pourquoi faire ? Il est un peu gênant, là. Eh ben oui, en plus, regarde, il a froid, le pauvre. Bien dormi ? Super, et toi ? Non, 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 on va pas faire l'amour en se bouchant les oreilles. Elle a complètement compris mon petit manège. Hein. Je te fais un petit joie de vivre. Ah non, ça va, merci, t'es un amour. Et si tu draguais ton beau-fils ? Ça va pas, écoute, je vais pas draguer mon beau-fils. Oh, oh là là, tu me fais du bien. Ah la pute. Ah la pute, tu vas voir ce que je vais lui faire. Famille de dingue.